Le rôle de Daniel a été très important, il a été créatif. Jamais nous n'aurions cru être à jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants. Il m'a appris à vivre, à manger, à rire. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, nos sentiments nous ont liés, bien malgré nous, sans y penser à tout jamais. Des sentiments plus forts et plus violents que tous les mots d'amour connus et inconnus. Je dis je, cependant nous sommes deux, Daniel et moi. Mais rien ne nous lie que nous-mêmes. Nous nous aimons, nous sommes improductifs, je le dis sans mauvaise conscience. Nous prolongeons sur la distance d'une vie ce moment précaire de la rencontre. Des sentiments plus forts et plus violents que tous les mots d'amour connus et inconnus. Des sentiments si fous et si violents, des sentiments auxquels avant nous n'aurions jamais cru. C'est l'isolement qui m'a poussé à écrire. Curieusement, j'ai été encouragé par Raymond Queneau et François Truffaut. Mon premier livre a eu un succès considérable. C'est très beau d'être lu et d'être aimé à travers ce qu'on écrit. Et à la fois, ça a été vraiment, on était débusqués complètement, quoi. Ça a été des articles, ça a été des interviews, et ça a été énormément de sollicitations. Je commençais à refuser énormément à ce moment-là de paraître. Nous avons découvert ce lieu qui était très en retrait. C'était la seule maison à 3 km du village, il n'y avait rien. C'est très beau. C'est comme un poème de Hafiz. Là-bas sur la chaussée, là-bas sur la chaussée, une petite herbe verte a poussé sur le pavé, d'un passage clouté, emprunté, emprunté, d'un passage clouté, surpeuplé, surpeuplé. C'était le printemps, tout le monde se cognait dans. C'était le printemps, c'était le printemps. C'était le printemps, c'était le printemps. Tous nos amis chantaient mes chansons. Il y avait Truffaut, il y avait Jean Richard, il y avait même Vian qui venait, Jeanne Moreau. Et c'était un moyen pour moi de pouvoir sortir de moi certaines choses qui ne passaient pas dans la peinture, l'humour, la tendresse. C'est tout bête, hein? Bonjour Albert, vous avez terminé ma chanson? Montez, on va travailler ensemble. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale et son visage pâle, de forme fatale. Quand Truffaut m'a demandé une chanson, il la connaissait, cette chanson, il connaissait toutes mes chansons par cœur. Donc il m'a demandé cette chanson-là pour Julie Jim, parce qu'elle lui semblait venir là très bien. C'est une belle histoire, Jim. Et cette chanson, ça commence à être au point. Oui, c'est vrai, hein, Albert. On y va? Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant les baisers sur mon front. Des baisers sur mon front brûlant. Des baisers sur mon front brûlant. Vas-y. Quand Julie Jim est sortie et que tout d'un coup cette chanson est devenue mondialement connue, j'ai eu des offres d'Hollywood. On m'a proposé d'aller à Hollywood et faire de la musique de film. On pensait que j'étais un musicien accompli, quand finalement je suis un musicien d'oreille. J'ai composé mes chansons avec ma guitare, pour mon plaisir. Je n'ai jamais même pensé qu'elle serait chantée. Jamais je ne pensais qu'elle dépasserait le cadre de mes amis.
On savait très bien que si c'était un succès, nous serions débusqués. C'est pourquoi j'ai pris le pseudonyme de Basiak, qui veut dire va-nu-pied en russe. Et tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie.